Et salut tout le monde, c'est Immortal71 Camille de oldschoolgameuniverse.blogspot.fr et on se retrouve aujourd'hui sur Dead Alliance, la version finale, mais cette fois-ci sur Xbox One. Rappelez-vous que j'avais fait une playlist de plusieurs vidéos sur la bêta ouverte que j'avais testée sur PS4, donc au mois d'août, juillet ou mois d'août, je ne me rappelle plus. En tout cas, le jeu est sorti depuis la fin août sur PC, Xbox One et PS4. Donc, pour ceux qui se posent la question, la version Xbox One est identique à la version PS4. Ça, il n'y a pas de problème. Pour le PC, je ne sais pas. En ce qui me concerne, moi, je vois peu de différence techniquement sur les deux versions consoles. Voilà, donc sinon ce que je peux vous dire c'est que lors de la bêta on avait très peu de cartes, là on en a 6, ce qui reste assez peu quand même. Pour ce qui est des modes de jeu, on en a un petit peu plus, deux niveaux de difficulté normal et difficile. Donc vous avez vu que j'ai choisi de me mettre en mode solo, donc les bots hors ligne. Bon, bien sûr, vous ferez pas attention, je joue comme un pied et de toute façon, on perd la partie à chaque fois. Mais c'est juste histoire de vous montrer cette version-là et de détailler un petit peu plus certaines choses, on va dire, au niveau du jeu, parce que cette vidéo fait donc office de test final. Donc déjà au niveau gameplay, bah, c'est toujours pareil. Après, votre objectif est d'éliminer un FPS, c'est du FPS classique, bourrin, donc des zombies qui sont gérés à la fois par l'IA et en fonction du mode de jeu, ça c'est du match à mort. Et donc en fait, on a des PNJ alliés qui sont en vert et ceux qui sont en rouge sont donc des PNJ, soit des personnages gérés par des vrais joueurs ou par l'ordinateur du jeu. Donc personnellement je douterais un petit peu sur l'IA du jeu, parce que j'avais eu un problème de connexion, pas sur cette partie là mais sur la partie d'avant que j'ai testé avant de capturer en vidéo. Et il y avait marqué que j'ai eu un problème de connexion et ça m'avait éjecté de la partie alors que j'étais en bot, mode bot hors connexion. Donc là je comprends pas trop, si proposer un solo et qu'il faut être obligatoirement être connecté à internet, ça va pas le faire longtemps quoi. J'adhère pas trop à ce système. Donc ensuite vous verrez un peu après, d'ici plusieurs minutes, vous verrez une partie en mode survie. Donc voilà, il faut aller à différents points, il faut tenir différents points en fait. Et puis survivre, quoi, tout simplement. C'est pareil, j'ai pas très bien joué. Et voilà, et je m'en excuse, idem si jamais je bafouille un peu, si je ne vois pas très bien, je suis malade en ce moment, donc venez m'en excuser. Donc voilà. Cette vidéo était juste office de conclure, on va dire, l'avis que j'avais déjà donné. J'étais assez convaincu lors de la bêta ouverte. Mais honnêtement, je m'attendais à mieux. Alors, bon, le feeling des armes est tout à fait... Enfin, je veux dire, c'est pas... je trouve que, bon, voilà, c'est sympa à jouer, mais sans plus. Enfin, au niveau des armes, je sais pas, j'ai pas trop de... Comment je pourrais vous dire, moi, je les trouve pas forcément... J'ai l'impression que ça manque un peu de patates, elles sont pas extraordinaires. Là, voilà, ça reste quand même assez amusant à jouer. Le système de
Le système de visée est pas terrible. Et là j'en ai tué un, on peut le voir. J'ai tué un adversaire. Et de toute façon, pas vite me tuer derrière. Au revoir. Voilà, je vise comme un pied et il m'a tué. Donc, qu'est-ce que je voulais dire c'est. Ouais, je sais pas, je trouve que le comment on appelle ça? Bah, la gestion des dégâts, là, tout ça, les collisions, c'est pas toujours tip top. Item, je trouve, pour le système de visée, quoi. Quand on vise avec son arme et tout, c'est pas. Je trouve pas ça excellent. Donc, c'est pas extraordinaire, quoi. Pardon. Donc là voilà, moi je parcours la map avec les autres, tout simplement pour tuer, bah voilà, c'est une personne qui a sa vision quand on bouge. Tout simplement. Donc là j'ai juste aidé par assistance en fait, je l'ai même pas tué. Et le truc qui est sympa dans les matchs à mort, c'est pour ça que j'ai voulu remonter encore. C'est l'un des meilleurs modes parce qu'on a à la fois les zombies finalement qui ont cassé les pieds, ils sont gérés par l'ordinateur du jeu. Et bon, là normalement on est hors ligne, donc logiquement les adversaires devraient être gérés aussi par le jeu, mais j'ai pas l'impression, je sais pas, ils jouent assez bien et vu le problème de connexion que j'ai eu tout à l'heure, j'ai un doute sur le côté solo hors connexion. Là j'y crois pas. T'y crois pas trop. Un vrai mode solo, qui l'histoire ou pas, si on bosse pas contre des bots, on peut jouer hors connexion. Statut mission inacceptable. Et bien sûr, tous les personnages sont gérés par le jeu. Là, je sais pas, j'ai pas spécialement l'impression. Sauf les zombies, bien sûr, eux, oui. Ils le sont, y a pas de problème. Voilà, donc encore 4 minutes et quelques de gameplay sur cette partie de match à mort. Ah, les environnements sont pas spécialement très beaux. C'est graphiquement, c'est quand même pas le panacée. Hein. C'est pas extraordinaire. On peut quand même le souligner. Il y a pas mal. Je trouve ça assez pauvre quand même. Mais en même temps, on s'y habitue assez vite. Hein, c'est pas bien beau, mais c'est pas non plus. Franchement, ça passe quand même. Non, ce qui me dérange un peu, c'est un peu le système de visée. C'est franchement, c'est pas le meilleur FPS que j'ai vu dans les mains, quoi. J'aime bien les ennemis, ils sont sympas. Mais voilà, après les armes, je trouve qu'il y a trop de. Trop de latence à la fois pour donner des coups de couteau. C'est pareil, on donne un coup de couteau et on devrait pouvoir normalement redonner un coup de couteau tout de suite derrière. Non, il y a un temps de latence. Je veux dire, les armes, je trouve que pour recharger tout ça, c'est un petit peu lent. J'ai vu. Et pourtant, je viens de le faire là, mais. Je sais pas, ça manque de dynamisme sur pas mal de petites choses. Voilà, ça me déplaît. Ça me déplaît pas mal, malheureusement. Ensuite, les parties, évidemment, là, bon, je joue tout seul, donc forcément, c'est pas très amusant. Bon, lors de la bêta, j'ai joué avec un pote, hein, Dark Dems, avec qui j'ai l'habitude de faire des parties en ligne. C'est vrai que quand tu joues avec un copain, c'est quand même beaucoup sympa, quoi. C'est évident, c'est quand même le but d'un jeu multi, quoi. Voilà. Bon, j'ai joué comme un pied, mais. Non, je les ai battus quand même. Ah ouais, mais il y en a un autre qui m'a tiré dessus. Ouais. Mais bon, c'est un. Je trouve que les adversaires, moi je pense qu'ils sont pas gérés par les individus, ils sont gérés par le vrai.
Le vrai joueur. Bah, je sais pas. Ou alors ils ont vraiment bien travaillé ça, quoi. Et j'avoue qu'on se fait tuer trop facilement. Donc, sur le coup, c'est vrai qu'on pourrait penser à de vrais joueurs. Mais pour le côté problème de connexion que j'ai eu par le jeu, en fait, hein, pas du tout ma connexion internet. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Et la partie qui a sauté, une partie comme ça, en fait. Et je me dis, tiens, c'est étrange, là, je suis censé jouer hors connexion avec des bots. Bon, je sais, je vous ai déjà dit tout à l'heure. Mais c'est quand même pour moi un gros défaut. Hein, donc. Voilà, donc moi honnêtement je sais pas trop combien je lui avais donné lors de mon avis au mois d'août. Je sais plus si j'avais donné une note. Non, pas du tout. Bon, c'est vrai que là je suis sur une version normalement coûte 40€. Par contre il faut savoir qu'il est en ce moment en promotion sur Xbox Live à 10€, donc la version complète à la fois multijoueur plus de solo, donc là le jeu est complet pour ce prix là donc profitez-en car il reste quelques jours. Donc après 10€, oui, non mais c'est clair, pour 10€ ça vaut largement le coup. Voilà, mais après pour 40€, pour moi c'est... le jeu est pas, pour moi il est pas très bon. Désolé, ça va peut-être en décevoir plus d'un, mais c'est mon avis, quoi. C'est trop... Il y a des bonnes idées, parce que il y a un côté tactique au jeu qui est assez sympa aussi. C'est vrai qu'on peut... On peut, avec certaines mécaniques de jeu, faire en sorte d'envoyer des zombies sur les adversaires, tout ça. Il est tout très très sympa dans le jeu. Il y a des bonnes idées. Mais... bah après c'est pas super bien exploité, non pas pour les idées sont bonnes, mais là par contre ce qui n'est pas bien exploité c'est surtout techniquement, quoi. C'est honnêtement, on peut avoir mieux pour 40€, hein. On peut avoir mieux, hein. Donc de base la partie multijoueur doit coûter que 25€, la partie complète 40€, voilà. C'est à peu près, on est à peu près dans les mêmes prix pour des versions en boîte. Et donc cette version à 40€ qui est complète coûte en ce moment que 10€. Voilà. Donc je vais essayer de mettre la vidéo rapidement pour que vous ayez cette info. Hôtel 3-1, t'as loupé l'hélico d'extraction. Force hostile repérée dans la zone. Sierra 4, tu confirmes ça? Donc là c'est mode survie. Confirmé, Hôtel 0. L'ennemi a déployé un drone pour répandre des phéromones et militariser les zoulous. Bien reçu. Hôtel 3, attention, toute exposition à ces phéromones est dangereuse pour les humains. Un refuge a été aménagé dans la bulle anti-phéromone. Ok, je sais pas. Voilà. Donc par moment, avec le couteau, on peut des fois faire des petites animations, parfois un peu plus sympa. Pour tuer certains zombies, ça dépend des moments. Quand on arrive à les avoir, disons, d'une façon plus furtive, entre guillemets. Donc voilà, là, on a certains points qu'on tient, là, comme ça. Donc on est en éliminant les ennemis. Voilà, il n'y aurait pas... on cherche d'autres endroits. Hôtel 3, rends-toi ici et attends. Bon, j'avais décidé de me promener un peu. La background pour cette partie-là, c'était un peu... J'ai fait un peu n'importe quoi et c'était un peu volontaire de mourir parce que je voulais un peu visiter le niveau aussi en même temps. Je suis pas mort tout de suite, hein. Mais... donc... là, je me dépêche d'aller à un autre point. Tac, c'est parti. Et là, poum poum, des coups de couteau, histoire d'économiser les balles. Ça, c'est la vague 2.
De toute façon, je meurs dans pas très longtemps. Ah, c'est, je trouve que le système de visée, bouger son pistolet de droite à gauche, est un peu rigide quand même. Mais bon, peut-être qu'on peut paramer. Je pense qu'on peut, comme tout FPS, réduire la sensibilité de la manette. Bah, à mon avis, sur PC, il n'y a pas photo, ça doit être beaucoup plus jouable. Non pas que c'est pas jouable sur PS4 et Xbox One, hein, bien sûr. Déjà, ça se joue pareil, les deux consoles. Non, franchement, bon, par contre, après, voilà, privilégier peut-être la version One pour la manette, plus adaptée au FPS. Sur PS4, ça se joue très très bien, il n'y a pas de problème. Mais bon, la manette Xbox est quand même mieux adaptée pour ce type de jeu, quoi. Donc voilà. Bon, bah écoutez, moi mon avis c'est que moi je lui donnerais, je pense au jeu là, je lui donnerais peut-être. Je lui donnerais peut-être 11 sur 20, je pense. 11 sur 20, voire peut-être. 12. 12 sur 20. 12 sur 20, ce sera ma note finale. Mais je lui donnerai pas plus. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao.